demande, IEP dit tout ici. Amnétique, je suis triste, c'est ça? Voilà, c'est pas ma faute. Pendant les vacances, les trois mois, pendant les trois mois, en tout cas, j'ai vagué à mes occupations, je faisais petit chant, tout ça. Donc, il est l'heure, il a rentré arrivé, je suis arrivé. Et après trois jours, je suis enflé. Jusqu'ici. Je ne sais pas, je le dis, micro. Directeur, je suis enflé. Je dois répartir. Il dit, mais tu viens d'arriver. Tu vas répartir, le conseiller va venir. Je dis, d'accord. Le conseiller ne vient pas. Voici mes pieds. Ça peut arriver ici. Carré. Dieu merci, ce n'est pas arrivé. Swallow. Ils m'ont vu, ils disent, non, il faut partir. Dès que j'ai pris le véhicule, je suis arrivé à Digo. Le fait de s'asseoir jusqu'à arriver ici, je ne veux plus marcher. En même temps, je descends, je prends ta scie, je vais au grand demi. Les docteurs m'ont refusé. Ils disent qu'ils ne me soignent pas. J'ai tout fait, ils disent qu'ils ne me soignent pas. J'ai pris mon petit sac, j'ai dit, ah Seigneur, la Bible dit que la mort m'est un gain. La mort est un cadeau. Donc si c'est mon jour de partir, à toi que ton nom soit glorifié. Mais je te demande une chose. Je te demande une chose, ne permets pas quelqu'un à ce qui me force à mourir. Et puis je suis allé me coucher. J'ai fait ma prière, j'ai dormi. Dès que j'ai dormi le lendemain matin, 5 heures, ici il est descendu, mais ici il était toujours enflé. C'est plus que, je ne sais pas comment on appelle. Et le frère dit. Donc je suis allé. Et un autre major m'a reçu. J'ai fait les examens. À 14 heures, j'ai pris les résultats. Docteur ne peut pas me donner le résultat. Docteur a peur de me donner le résultat. Je dis, c'est comment? Il dit, je comprends. Il dit, mais c'est comment? Il dit, ah, donne-moi, je suis une petite fille. Il dit, je ne peux pas me donner. Il m'a donné tous les papiers. Je ne connais rien dedans. Donc, moi aussi, j'ai pris tout. Il m'a donné un petit médicament. Petit ordonnance, j'ai payé. Je suis parti. C'est après maintenant, il appelle une de mes soeurs, puis il dit, ah, ta grande soeur est malade. Elle a tout. Tension. Comment dire, elle a toute maladie, il faut pas avoir mangé sel, faut pas avoir mangé tout ce qui est sucré, faut pas avoir mangé tant. Il a commencé à citer. Je vais manger quoi? Je mange poisson qu'on sèche là. Et je mets dans feu avec sauce de foufou de didal, sans sel. C'est ça que je mange. Je mange à jeter avec un poisson, sans huile, et puis je mange. Quand je prends le médicament, ça ne peut pas. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas marcher. Ah, comment il a fait? C'est là maintenant. Ma grand-sœur était déjà ici avec tous les enfants. Chez moi, je voulais faire ça. J'ai dit, je vais aller retrouver ma grand-sœur. D'abord, avant de venir, on dit, mon petit père a fait la révélation. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Que si tu ne viens pas, tu ne quittes pas là-bas, tu vas pas chez le prophète. C'est ton cadavre qui va partir. J'ai couru pour venir. Dès que je suis venu, j'ai envie de manger Placali. Donc, j'ai goûté petit Placali là. Puis il est devenu comme avant. Donc, je ne sais pas quoi faire. Oh, le lendemain, je devais faire bilan. Et puis, ils sont partis, on est partis à la prière de 4 heures. En tout cas, vraiment, prière de 4 heures, Dieu m'a visité. Le lendemain, je vois mes pieds sont descendus. Amen. Est-ce que tu vois tes pieds? Alléluia. Est-ce que tu vois tes pieds? Amen. Ok. C'est enflé. Ouais. Donc le lendemain, je suis parti à l'hôpital maintenant pour les examens. Le monsieur dit, il faut refaire les examens. Je suis parti, ils ont pris mon sang. Il dit, viens à midi. À midi déjà, il était déjà présent. Dès qu'il a vu les résultats, il me regarde et il dit, mais ton Dieu est fort. Mon Dieu est fort.
Amen. Suis arrivé. Est-ce qu'on a... Faut que le dimanche prochain, tu nous envoies tous les papiers. Le cheminement de comment tu as commencé, comment tu as fait, c'est important pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien sûr. Tu as convaincu le dimanche tout. Il y a une chose que tu dis. Yudumbe. Chioko. Sogren. Sogren de tout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je me nomme Didier Cyril Dédier. Didier Cyril Dédier. Je suis médecin spécialisé en chirurgie générale au CHU de Pougon. Working in the Pougon Hospital. Si j'ai une notion à évoquer cet après-midi, je dirais tout simplement que contrairement à tous ceux qui prétendent ne rien devoir à personne, je reconnais pour ma part que je dois tout à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai été vilipendé, traité de tous les noms, I have been treated, accusé de tous les malheurs du peuple d'Israël, kind of thing, parce que je souffrais de ce qu'on appelle dans notre jargon I was suffering from une addiction à l'alcool. C'est une alcoolodépendance. So c'est-à-dire que c'est une consommation excessive d'alcool de façon consécutive pendant 5 à 7 jours et qui était de coma tous les jours. Non, c'est comme ça il est. Mais il faut revenir chez nous à Jean-Paul. Pardon. Il y a un pardon. Pardon. Je disais tout simplement. Consécutive. Viens chez nous. Descends. Ça veut dire que tu buvais l'alcool. De façon, je buvais beaucoup d'alcool. Tu sais, les petits pépins, tu sais. C'est pour ça que vous avez pris un pélin. Vous savez ce qu'on appelle pélin, tout le monde connaît. C'est-à-dire, il ne pouvait pas. Il dépendait de l'alcool. Voilà, exactement. Il dort dedans, il se réveille dedans. Nos Français. Il dort dedans, il se réveille dedans. C'est une brosse cure-dent pour lui. Un soulard. C'est notre France, on a tout compris. Et on a compris, non? Un grand soulard. On a compris. Sinon, où est-ce que nous avons pris? Non, ça veut dire que c'était un cerveau. Je suis obligé. Et ça pouvait durer 5 à 10 jours. Et ça pouvait se compliquer. De su comment avoir du coma même éthylique. Ah donc tu as dit tu bois, ça te plonge dans le coma. Sans manger. Et chaque année, je quittais l'église à 3 semaines d'examen pour aller composer à la fac de médecine. Parce que vous savez la spécialité, ce sont des examens tous les ans pendant 4 ans. Et comme c'était des choses que j'avais déjà révisées, j'étais déjà à ma 4e révision lorsque je plongeais. En 3 semaines, je récupérais tout et j'arrivais à faire ma révision. Et quand j'arrivais, j'étais toujours le premier. Donc, je disais donc que je souffrais de cela. Et c'est dans cet état que je suis arrivé ici. Lorsque je me suis réveillé au 3e jour, je me suis retrouvé les pieds enchaînés et attachés à un arbre. Un médecin, vous comprenez? Quand je me suis réveillé, une révélation du diable. Can you see the revelation of the devil?
Donc, du coup, j'ai commencé à me plaindre, à vociférer. Parce que c'était la première fois qu'on m'enchaînait de la sorte. Et au cinquième jour, j'ai été délié. Et comme on m'avait prescrit 8 bouteilles d'huile d'olive, j'ai pris les deux premiers pas. Et avec l'autre arrivée, l'arrivée du prophète Grasso, il s'en est suivi hier. Le troisième bain. Ok. Le third bain. Et c'est ainsi que j'ai obtenu ma guérison. Frères et sœurs en Christ. Brothers and sisters. Je voudrais vous dire que Jésus-Christ de Nazareth brise le joug de la captivité. Alléluia. Et il couvre. Alléluia. Je voudrais briser le jour de la paix, ma profonde gratitude au prophète Grasso, à Jésus-Christ de Nazareth et à toute son équipe qui ont identifié mon mal comme étant un enfouissement à l'alcool dès que je suis arrivé dans ce camp de prière. Je vous remercie et que la bénédiction de Dieu vous soit destinée. Merci. Aïe! Jésus, aïe! Qui est mon Seigneur? Jésus, aïe! Qui est mon Seigneur? Je suis Madame Colonel Didier Pagnon. I am Madame Didier Pagnon. Voilà. Nous ne vivons plus ensemble, mais Jésus, il n'y a pas de divorce. Et je sais que Dieu vous a déjà réconcilié et il partira ici. Oh, Jesus Christ. Je suis secrétaire de direction à la société. I'm secretary. À la société multinationale Air Afrique, à la retraite. Mais si moi, je prends le micro ce matin pour vous dire que je suis secrétaire de direction, vous n'allez pas le savoir.
Dieu seul sait comment je suis arrivé ici. Only God knows. J'ai été victime de sorcellerie pendant des années et des années, en commençant par mon foyer. Je partais en mission, j'assistais aux réunions de la conférence des chefs d'État. Je représentais Air Afrique. J'achète une voiture, je ne peux pas la conduire. Les ennemis voulaient même que je dorme dans les rues. Ils avaient la main sur tous mes biens. J'ai tâtonné, je suis passé par tout. Mais je n'ai pas eu gain de bourse. Je n'ai plus rien. Mes placards sont vides, mes comptes sont vides. Et c'est une servante de Dieu. Servant of God. J'étais venu ici, je cherchais un peu partout à cause de moi, de ma vie, pour ma vie, pour la vie de mes enfants. Et c'est à cause de mon fils qui vient de parler là. C'est ton fils qui a parlé. Voilà, que j'étais venu ici. C'est une servante de Dieu qui m'a donné le nom du prophète. Je ne disais plus. Mon adresse email a été supprimée. Je ne regardais plus le téléphone. Comme il vient de le dire, 24 heures sur 24 heures, il est dans l'alcool. Donc j'étais paniqué. I was really tired. Et quand cette dame m'a donné le nom du prophète Joël Crasso, et que je suis venu chercher à le coin à Divo, c'est Miss Conan qui m'a reçu. Elle-même, elle sait comment j'étais arrivé à ce niveau. Mais je remercie Dieu. Dieu avait déjà fait avancer son ange pour me recevoir. Mais quand elle m'a dit que le prophète n'est pas là, j'ai failli mourir au secrétariat. J'ai failli mourir au secrétariat, mais elle m'a encouragé. Elle a dit non, maman, reste tranquille, ici c'est le terminus. Je dis mais. J'ai quitté Abidjan à 14h30. Tout le monde me disait, il fait presque nuit. Tu dis, tu dois faire aller-retour. Je dis, même si c'est minuit, je peux quitter la chose pour revenir. Parce que avec la mort, je l'ai laissé dans la main d'une sœur de l'église et puis je suis venu chercher du coin. Donc je devais retourner. J'ai acheté la bouteille d'huile et puis je suis parti. Et j'en ai fait. Comment Dieu. Celui-là, on ne pouvait pas le maîtriser. Mais Dieu nous a aidés et nous sommes arrivés ici. Pasteur Philippe était là, nous l'a enchaîné. Et moi-même là. On dit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Je passe partout. Tu vas mourir. J'ai perdu ma mère le 20 août. L'enterrement a eu lieu le 3 octobre. J'ai trouvé mon programme pour le 25 octobre. Mais quand je ne me sentais pas bien. Quand je suis arrivé ici, je ne me sentais pas bien. Mais quand. Première prière, deuxième prière, troisième prière, ça allait. Quand ils ont versé l'huile sur ma tête, je suis guéri. J'ai failli le mettre au dos, parce que j'avais la force même. Donc, je suis guéri. Je remercie le Seigneur. Oh, c'est un Dieu. Et peut-être que le prophète dit ok, Ogresugrubois, il n'a pas peur de quelqu'un. Ogresugrubois, ça veut dire que Ogresuit, hein. Ça veut dire que tu as dossé à un gros arbre. Donc, moi, maintenant, là, quand je marche avec assurance. I'm sure.
Je remercie le Seigneur. Ça, c'est un petit témoignage de moi. Elle nous demande de me présenter de A à Z. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour le témoignage? Amen. Alléluia. Amen. Il y a de l'espoir. Amen. Oui. Jésus m'a donné de l'espoir au travers de ce sang. Je vous dis que j'étais désespéré. Parce que mon père est celui qui m'a accouché. Mon père biologique a rendu tous mes enfants. Il les a initiés, mes petits-fils. Mes enfants, mes neveux, en tout cas tous nos enfants, les enfants de mes frères, mes soeurs, nous, tous nos enfants, mon papa les a tous initiés. Et les miens, depuis deux ans, j'ai découvert que mes enfants ont mes petits-fils. Papa les a initiés à quoi? À la sorcellerie. Il les a initiés à la sorcellerie. Chacun, son enfant, c'est son gardien. C'est lui qui le détruit. C'est lui qui fait tout. En tout cas, tous nos enfants sont à la sorcellerie. Et les miens là, les petits-fils de mes enfants, j'ai découvert ça fait deux ans. Je suis chrétienne. Je vais dans les églises avec les enfants, mais personne ne peut les délivrer. Et je dors avec eux. Ceux qui disent qu'ils me rendent malade, ceux qui disent qu'ils bloquent mes affaires, ceux qui disent qu'ils tirent mon argent parce que mon argent disparaît. Mais je suis là, et puis je me tue pour eux. Je vais placarder pour venir les nourrir. Je ne peux pas dire, au fond, il y a envie de les... Je les mets au dehors, et puis je m'en vais les reprendre. Au fond, il y a envie d'aller les... Je dis, mais ce sont les enfants de l'État. Il faut les envoyer à la police. Je ne sais pas quoi faire, j'étais désespéré. Il n'y a pas quelqu'un. Tout le monde fuit. Quand j'explique, les pasteurs fuient. Et c'est comme ça, ils ont réussi à me jeter dehors. Pourtant que je paye mon loyer, le propriétaire m'a mis au dehors. Donc je suis allé chez ma soeur avec les enfants. Mais c'est ma soeur qui a parlé tout de suite de l'insuffisance rénale. C'est les enfants qui ont jeté l'insuffisance rénale avec la complicité de mon père pour qu'elle meure. Et ils n'ont pas réussi. Vraiment, j'ai pris les enfants encore. J'ai pris mes bagages. Je ne sais pas où aller. Je viens à Dipo. Je viens à Dipo comme ici dans les gars. On peut dormir. Je vais dormir avec eux là-bas. Et c'est comme ça, Dieu, le Dieu tout-puissant qui n'en pardonne pas. Celui qui a fait le plan depuis Genèse, verset 3. Pour sauver l'humanité, ce Dieu-là s'est révélé. Il a envoyé quelqu'un qui dit, je connais un pasteur qui dérive de la sorcellerie à Divo. Demain, je m'en vais. Il a dit, envoie-le, c'est déjà prêt, mes bagages sont prêts. Et c'est comme ça, il m'a envoyé dans ce centre.